Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Perrine Anicotte Zitouni, donc je suis chargée de mission à l'ARACTO de France et on a le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire qui est consacré à l'aide à domicile et qui est co-organisé avec la DREETS Hauts-de-France. Alors, avant de commencer, deux indications techniques. Vous allez retrouver en bas à droite de votre écran quelques onglets, donc un onglet questions qui va vous permettre de poser vos questions, vos remarques. On prendra un temps lors de ce webinaire pour regrouper ces questions et pour proposer aux différents intervenants d'y répondre. Donc surtout, n'hésitez pas. Vous allez également trouver un onglet chat qui sera plutôt dédié aux problèmes techniques si jamais vous en rencontrez, ce qui est tout à fait possible. Donc, vous expliquez votre petit problème dans cet onglet-là et on fera en sorte de résoudre le problème technique. Et puis, enfin, un dernier onglet que vous allez mobiliser voilà, d'ici quelques minutes, qui est l'onglet sondage. Quand on vous le proposera, vous pourrez cliquer dessus. On vous posera une petite question assez rapidement. Alors, on vous accueille aujourd'hui pour une journée. Hein, c'est un webinaire qui s'inscrit dans le cadre d'une journée plus globale qui est dédiée à la qualité de vie et des conditions de travail dans l'aide à domicile, qui était initialement prévue le 14 décembre dernier en présentiel. Et pour les raisons que vous connaissez, voilà, on a dû décaler, reporter et basculer sous forme distancielle. C'est une journée qui doit nous permettre de partager ensemble des repères, des expériences, des initiatives. Donc, grâce à trois webinaires qui ont lieu ce matin. Le premier, celui-ci, qui est dédié aux questions d'absentéisme. Le second, autour des questions d'innovation organisationnelle et managériale. Et le dernier webinaire de la matinée, autour des questions de développement de compétences. Cet après-midi, pour ceux qui se sont inscrits aux ateliers, donc on se retrouvera pour trois ateliers en parallèle. Un atelier autour des questions d'équipe autonome et de santé au travail. Un autre autour des innovations en matière d'organisation du temps de travail. Et le dernier atelier qui est dédié aux questions d'attractivité et de fidélisation des salariés du secteur. Alors, pour information, cette journée donnera lieu à la diffusion donc d'un support qui va nous permettre de partager les temps forts et l'essentiel des échanges pour les ateliers de cet après-midi et les principaux éléments des témoignages de ce matin. Alors, pour commencer, on vous propose donc un temps d'échange et de partage sur une problématique qui est centrale dans le secteur, qui est celle de l'absentéisme. Donc, quelles en sont les causes? Comment agir? On va voir ça d'ici quelques minutes. Et juste avant, je vais laisser la parole à Cécile Delemotte de la DREETS Hauts-de-France pour quelques mots de. Ah, pardon, je dois présenter l'ARACT avant. Bah oui, évidemment. D'abord, quelques mots de présentation de l'ARACT. Alors, certainement, vous nous connaissez. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, peut-être juste dire que donc, cette association a pour mission à la fois de promouvoir l'amélioration des conditions de travail en agissant et sur l'organisation du travail et sur les relations professionnelles. On a aussi pour mission de concevoir et de diffuser, de transférer des méthodes, des outils qui vont permettre aux entreprises, aux structures de concilier durablement et la qualité de vie au travail et la performance. Et que pour réaliser ces missions, on s'appuie sur différents moyens, notamment sur une agence nationale qui est sous tutelle du ministère en charge du travail, donc l'ANACT, sur un réseau d'associations régionales, donc les collègues des autres ARACT un peu partout en France, et puis sur des instances paritaires, puisque nous sommes une association paritaire. Et c'est donc le bon moment pour laisser la parole à Cécile Delemotte de la DREETS. Oui, merci Perrine. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, au nom du directeur de la DREETS, je suis très heureuse de vous accueillir ce matin pour ce webinaire consacré aux services d'aide à domicile. L'accompagnement du développement du secteur des services à la personne constitue une priorité pour les services de l'État. Les métiers de l'aide et du soin jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de notre société puisqu'ils accompagnent la transition démographique avec le vieillissement de la population, le développement des pathologies et des situations de handicap liées à l'allongement de la vie, mais aussi un taux d'activité des femmes en constante évolution et la recherche d'une conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Mais la crise sanitaire l'atteste également, ces métiers ont joué et continuent de jouer un rôle déterminant. Ils ont été en première ligne pour accompagner les personnes fragiles. Alors, ce secteur, le secteur des services à la personne,
représente 5% de l'emploi régional et bénéficie d'un fort potentiel de développement. Il compte d'ailleurs parmi les principaux gisements d'emploi qui ne sont pas délocalisables. Cependant, c'est un secteur qui reste encore trop peu attractif avec des conditions de travail souvent difficiles. Il fait d'ailleurs partie des secteurs sursinistrés de notre région au regard des accidents du travail. Alors, ce secteur a été ciblé comme secteur prioritaire par les acteurs régionaux de la prévention dans le cadre du plan régional santé-travail. Et depuis plusieurs années, des actions visant à promouvoir et rendre attractif le secteur, à professionnaliser les structures, à accompagner l'innovation et prévenir les risques professionnels, accompagnent les nouvelles dynamiques qui sont mises en œuvre dans toutes les structures. Alors, ces actions ont été menées avec l'ensemble des parties prenantes, les directions, l'encadrement des structures, les équipes de terrain et aussi, bien sûr, les partenaires sociaux. Elles ont été menées avec le concours de nombreux intervenants, qu'il s'agisse des services de santé au travail, de la RACT, bien entendu, de la CARSAT et d'autres partenaires institutionnels. Alors, toutes ces actions reposent sur une approche renouvelée de la santé au travail qui fait de la préservation de la santé et de la sécurité au travail et des conditions de travail un levier pour l'amélioration de la qualité de service. À partir des retours d'expérience, des échanges et des propositions qui seront faites tout au long de cette journée, nous pourrons envisager les perspectives d'action du 4e plan régional santé-travail qui est en cours d'élaboration avec les acteurs de la prévention en région. Donc, merci d'avance aux intervenants et je vous souhaite de bons travaux tout au long de cette journée. Merci beaucoup, Cécile. Justement, avant de vous présenter les intervenants que vous allez entendre ce matin, on va vous proposer donc un petit sondage que vous voyez apparaître. Donc, normalement, vous avez vu une petite notification là sur sondage. Vous pouvez cliquer dessus et vous allez pouvoir répondre à cette question. L'idée, c'est juste de partager entre nous le profil des différents participants. Donc, est-ce que vous êtes dirigeant, encadrant, représentant du personnel, salarié, acteur relais, fédération d'employeurs, syndicat de salariés, acteur emploi-formation, acteur du monde économique, de la santé au travail. Est-ce que vous êtes plutôt un acteur institutionnel, collectivité territoriale, administration publique par exemple, consultant ou la fameuse catégorie autre parce que on ne peut pas anticiper tous les profils. On vous laisse répondre à ce sondage. Alors, voilà, je vois que ça bouge encore un petit peu. J'attends juste quelques secondes, voir comment ça se stabilise. Bon, alors ça bouge encore un peu. On retrouve pour l'instant 36-35% de dirigeants et d'encadrants de structure. C'est en train de monter encore un petit peu, 38%. 20% d'acteurs relais, 20% d'acteurs institutionnels, 10% autres. Bon, voilà, donc on ne sait jamais trop quoi faire de cette catégorie. Représentants du personnel et salariés, 6% et 6% de consultants. Il y a eu 51 votes. Voilà pour même pour nos intervenants, je pense que ça peut être intéressant de savoir un peu qui vous écoute. Alors, on va entendre dans quelques secondes donc Dominique Potier, qui est responsable du service de la qualité et des financements au sein de la direction de l'autonomie et de la santé pour le conseil départemental du Pas-de-Calais. On va également entendre Marie-Yvonne Delattre, qui est directrice de l'AADCMO, donc l'association d'aide à domicile des Cap et Marais d'Opale. Sylvie Borin, qui est responsable de secteur dans la même structure. Et enfin, Marion Coquel, qui est consultante pour le cabinet Aegiste Conseil. Et puis, quand même vous dire que ces échanges vont être animés donc, par ma collègue Cindy Lemaître, qui est également chargée de mission à la RACT, et à qui, du coup, je passe la main. Cindy. Merci, Perrine. Bonjour à tous. Alors, nous commençons les échanges de ce matin avec Dominique Potier du département du Pas-de-Calais. Monsieur Potier, bonjour. Bonjour à tous. Ça va, le micro n'est pas coupé.
Alors juste, on avait une petite diapo de présentation. Vous avez déployé, Monsieur Potier, dans le Pas-de-Calais, entre 2018 et 2021, un programme d'accompagnement des structures avec l'ARAC, mais aussi avec la CARSAT et un organisme de formation, le CREFO, animé par un acteur du développement local Pas-de-Calais actif. Est-ce que vous pouvez ce matin revenir sur les raisons qui vous ont incité à construire ce programme et nous expliquer quelles formes ont pris ces accompagnements? Oui, tout à fait, avec plaisir. Effectivement, pour revenir un peu à l'origine de ce projet, hein, sans rentrer dans tous les détails, cette démarche d'accompagnement des services d'aide à domicile que vous venez d'évoquer, c'est inscrit dans une stratégie globale de soutien des SAD qui est souhaitée par les élus du Pas-de-Calais et qui a été accélérée en raison notamment des difficultés économiques du secteur qui ont commencé à s'amplifier, je dirais, autour des années 2012-2015. Donc c'est dans ce contexte, vous l'avez rappelé, que le département a sollicité l'organisme Pas-de-Calais Actif, qui s'est adjoint le groupe KPMG. L'objectif de ce travail était une étude, on va dire, autour du modèle économique des services d'aide à domicile. J'ai passé assez rapidement sur le déroulement et le contenu de cette étude, hein, pour aller plutôt rapidement à l'essentiel et aux conclusions de l'étude. Le constat global qui a été fait sur ce sujet, c'était qu'il y avait trois facteurs principaux qui influençaient la santé économique d'un service d'aide à domicile: le taux de présence des intervenants au domicile, le taux de qualification des personnels, et aussi un élément important qui était, au sens large, la qualité de l'encadrement. Donc, face à tous ces constats, des recommandations ont été aussi formulées par Pas-de-Calais Actif, hein, en conclusion de l'étude. Le président du conseil départemental a souhaité, on va dire, en plus du rôle financier que joue le département, hein, dans le financement des SAD, le président a demandé justement la mise en place d'un plan d'action et d'accompagnement des SAD afin de limiter la perte d'emploi et aussi maintenir la prise en charge des besoins sociaux qui sont quand même particulièrement importants dans le département. Donc j'en viens à l'objectif essentiel du plan, qui était de renforcer le pilotage et le management des services, mais aussi travailler la question essentielle de la prévention de l'absentéisme et le sujet aussi très important qui est la prévention des risques professionnels. Et c'est à ce moment-là que vous avez rencontré donc différents acteurs, ARAC, CARSAT. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur la façon dont ça s'est passé, les formes de ces accompagnements? Alors, effectivement, trois partenaires se sont associés, hein, à cette démarche que vous venez de citer: l'ARAC, le CARSAT, le CREFO. Donc, chacun ont proposé des collaborations dans leur domaine d'expertise. Pour la CARSAT, il s'agissait de mettre en place des actions de formation autour des compétences de base en prévention et aussi le sujet de la formation d'animateurs de prévention. Pour le CREFO, organisme de formation, il a été proposé au service d'aide à domicile des parcours modulaires de formation allant de la validation des acquis de l'expérience jusqu'à une formation, une certification autour du métier de responsable de secteur de service à la personne. Et puis sur le troisième module que vous connaissez tout particulièrement bien, qui concerne l'accompagnement de l'ARACT et du cabinet Aegist, autour du thème de mener une démarche de prévention et de gestion de l'absentéisme. Donc les SAD du Pas-de-Calais ont pu choisir un accompagnement dans une de ces trois
démarche en lien aussi avec les contrats d'objectifs et de moyens que le département a signé avec ces structures. Alors, nous reviendrons avec une illustration. Alors, si on récupère Madame Delatte, parce que je vois qu'elle vient d'avoir un souci de connexion. Ça va revenir. Je vois, ouais, c'est bon. Ouf. Peut-être juste avant de passer la parole à Madame Delatre, Monsieur Potier. Donc, il y a eu ce partenariat entre différents acteurs. Quel intérêt avez-vous vu à construire voilà, cette offre à tiroir, je dirais, et avec un ensemble d'acteurs? Alors, tout à fait. Je l'ai déjà un peu évoqué au début de l'échange. Le département ne voulait pas se contenter et se cantonner dans le rôle de financeur. Et effectivement, aller plus loin dans la démarche d'accompagnement des SAD. Donc, le fait de travailler en collaboration avec trois prestataires qui sont quand même experts sur leur thématique de leur sujet, je pense que ça a permis de travailler justement sur la complémentarité des acteurs, puisque en fait, les objectifs de chacun des modules d'accompagnement se rejoignent. Dans le fait qu'il était important pour les services d'aide à domicile qu'on leur propose des accompagnements concrets sur le terrain autour globalement d'un mieux-être au travail qui va aussi pouvoir avoir des conséquences sur la réduction de l'absentéisme. Donc, c'était vraiment le sens de toute cette démarche. Alors justement, pour illustrer cette démarche, nous accueillons Marie-Yvonne Delatre, qui est accompagnée, alors on ne la voit pas, mais de bonjour, Sylvia Bonjour. Bonjour. Responsable de secteur. Alors on a aussi pour vous une petite diapo de présentation. Hein, donc Madame Delatre, vous êtes directrice d'une structure associative qui est située à Saint-Omer, qui emploie 135 salariés, dont 35 aides à domicile. Et donc, vous avez été accompagnée. Alors, je suis en train de faire une bêtise. Hop. On peut baisser la diapo, je pense. Donc, vous avez été accompagnée par le cabinet Aegis, qui est présent également, qui intervenait dans le cadre du projet piloté par la RACT, prévenir l'absentéisme dans l'aide à domicile. Globalement, que tirez-vous de cette démarche, de cet accompagnement et surtout, quelles actions ont pu être mises en place? Oui, alors donc bonjour à tous. Donc Marie-Yvonne Delatre, donc directrice de la DCMO. Donc nous, notre structure a été créée en 2015 suite à la fusion de trois associations. Et donc deux services interviennent dans le champ de l'enfance-famille et un dans le champ de l'autonomie. Et nous intervenons sur les territoires de l'Audomarois et du Boulonnais. Hein, donc, mais le service autonomie est basé sur le territoire de l'Audomarois. Donc nous avions une réflexion en cours déjà depuis plusieurs années suite à la fusion de nos associations afin de repenser un peu l'organisation de nos services pour une meilleure qualité de vie au travail des salariés. Et donc nous avions déjà travaillé un peu sur la réorganisation des plannings, nous n'avions pas un taux d'absentéisme très très élevé, mais plutôt des longues maladies. Et donc, cet accompagnement, nous avons répondu donc lors de la sollicitation du département hein, pour travailler sur quand même cette prévention de l'absentéisme. Et donc, cet accompagnement par la RACT via le cabinet Aegis a permis pour nous de vraiment se poser, de pouvoir repérer quels étaient les facteurs de cet absentéisme. De cerner aussi nos marges de manœuvre, hein, de voir comment on pouvait y remédier, surtout de repenser notre organisation de travail et de réfléchir à des actions de prévention à mettre en œuvre à plus ou moins long terme. L'ensemble du personnel a participé à ces travaux avec Marion Coquet hein, du cabinet Aegis, que ce soit la direction, les administratifs, donc responsables de secteur, et même les intervenants, puisque nous avons eu plusieurs réunions de travail également avec elles. Les axes de travail, ça a été de cibler un peu quelles étaient les causes de cet absentéisme, donc la prévention de l'usure professionnelle,
Et surtout, ça nous a permis de réfléchir sur la deuxième partie de carrière, parce que nous, on avait quand même une philosophie un peu à l'association où on fidélisait les salariés, et quand on avait une bonne salariée, entre guillemets, on essayait de la garder le plus longtemps possible. Et de ce fait, Marion nous a permis de réfléchir à ça, de dire, mais quand on a fait 10, 15 ans d'aide à domicile, peut-être qu'il y a une usure professionnelle qui s'installe, et de réfléchir à cette deuxième partie de carrière. Donc, c'était un premier point. Nous avons aussi réfléchi sur les interventions difficiles, donc tout ce qui est cas complexe, avec l'évolution, les maladies neurodégénératives qui arrivent, qui sont de plus en plus fréquentes. La charge de travail de notre responsable de secteur, qui était quand même assez importante, puisque... nous sommes une association, Marion pourra peut-être vous le dire, où on est très, très à l'écoute de nos salariés. Et de ce fait, notre responsable de secteur passe énormément de temps avec ses équipes, justement, dans cette écoute, de voir tout ce qui va et ce qui ne va pas. Et puis après, le point le plus important pour nous, c'était d'arriver à mettre en place le travail posté. Le travail par équipe postée, et on avait énormément de freins par rapport à ça. Je pense que Madame Bourin sera plus à même de vous l'expliquer dans son intervention, puisque c'est elle qui est plus au niveau technique. Voilà. Donc, on travaillait déjà par petite équipe sur un secteur bien déterminé. Donc, on n'est pas encore en équipe autonome. Je sais qu'actuellement, on entend beaucoup parler d'équipe autonome, mais c'était quand même des petites équipes pour éviter un peu le turnover des salariés au sein des familles. Donc, on avait fait l'essai d'une équipe de 5, puisque ce sont des équipes de 5 qui interviennent sur un secteur bien déterminé. Donc, on a eu des difficultés à le déployer pour l'ensemble du personnel, pour toutes les équipes. Alors, premièrement, on est un petit service, 35 aides à domicile, ce n'est pas un gros service. Donc, on a quand même un manque de plan d'aide pour pouvoir établir Mme Borin parle de tournées, des tournées complètes, on va dire. L'intervention de matin, c'est beaucoup plus facile puisqu'on intervient de 6h45 jusqu'à 14h. Donc, faire un poste, c'est bien. Par contre, le soir, on n'intervient qu'à partir de 17h, 17h, 21h. Et là, faire un poste du soir, c'est très, très compliqué, puisqu'on n'a pas beaucoup d'interventions l'après-midi. Et de ce fait, ça nous posait d'énormes soucis pour mettre en place vraiment ce travail posté pour l'ensemble du personnel. En plus de ça, quand on a repris l'association, le service personnes âgées, toutes les salariées avaient des très gros contrats de travail, des contrats de travail à 32 heures. Donc, c'est beaucoup plus difficile de mettre en place le travail posté quand on a des salariés qui ont un contrat de travail à 32. Quand c'est 20 heures, c'est plus facile à organiser, ou 28. Alors, c'est vrai que maintenant, quand on embauche des salariés, c'est dommage de devoir dire ça, mais on les prend plus à 28 heures de travail, à 28 heures en temps de travail, pour pouvoir justement gérer plus facilement. Voilà. Alors, on avait les interventions, puisqu'après, on a travaillé d'autres choses avec Marion. Mais nous, lors de la fusion, on a perdu le conventionnement CARSAT, puisque c'était chez nous compliqué. On a d'abord créé la DCMO et on a dissous après les associations existantes. Et de ce fait, on a dû redemander le conventionnement à toutes les financeurs. Et donc, on a perdu le conventionnement CARSAT parce qu'à l'époque, ils ont considéré que nous étions une jeune structure et ils n'ont pas repris toutes les années auparavant. Donc là, nous l'avons ressollicité. Et le fait de pouvoir ressolliciter ce conventionnement CARSAT nous permettrait d'avoir peut-être des interventions plus l'après-midi et de pouvoir, à ce moment-là, peut-être pouvoir mettre en place plus facilement le travail posté. Merci, Madame Delattre. Alors, nous accueillons aussi Madame Borin. Donc, vous êtes responsable de secteur, donc particulièrement concernée par toutes ces questions et ces expérimentations. Alors, peut-être avant de nous dire très concrètement et pratiquement les difficultés, les freins que vous avez rencontrés, peut-être, Madame Borin, quel intérêt voyez-vous à la mise en place de ce travail posté dans votre structure ? Alors, l'intérêt, d'abord bonjour, l'intérêt pour nos salariés, c'est quand même vraiment une meilleure qualité de vie.
moins de fatigue, tant physique que psychologique, hein, effectivement, avec l'évolution des cas complexes et des pathologies neurodégénératives, c'est quand même psychologiquement difficile. Moins de déplacements, ça, c'est vraiment quelque chose qu'elles mettent en avant. Moins de coupures dans leur tournée, c'est-à-dire que si elles partent le matin, elles savent que voilà, elles démarrent de bonne heure, elles finissent sur le début d'après-midi et après elles sont tranquilles, hein, elles peuvent bénéficier de tout leur temps pour faire ce qu'elles veulent. Donc voilà, une régularité des plannings aussi, puisqu'une fois que le principe est instauré, c'est vrai que c'est régulier, ça revient, on tourne nous sur 4 semaines. Donc, elles savent systématiquement sur 4 semaines quels sont leurs repos, quels seront leur roulement. Hein, donc, c'est vraiment bénéfique. Une meilleure qualité de vie de famille pour les salariés, ce qui est quand même, à mon avis, extrêmement important, parce que je pense que si on a une meilleure qualité de vie de famille, automatiquement, on s'en ressent aussi sur le travail. Hein, puisque si on met sur le travail le fait de ne pas avoir de vie de famille, on ne peut pas bien faire son travail. Que là, ça permet de tout concilier. Hein, en même temps. Pour nos bénéficiaires, bah, nous, à notre niveau, sur notre service, ça avait fait peu de changements puisqu'ils étaient déjà habitués à n'avoir que quelques salariés qui intervenaient. Hein, on avait réduit. Le point négatif pour eux, au niveau des usagers, ça serait que, bah, ils voient 2 personnes dans la journée au lieu d'une, hein, puisqu'automatiquement, c'est une le matin et le midi et du coup, une autre personne le soir. Mais comme ça reste dans l'équipe et qu'elles sont 5, Ça passe bien quand même. Donc voilà, pour les salariés, c'est vraiment un point plus que positif à envisager. Alors, pour la difficulté sur mon poste en tant que responsable de secteur, ben c'est le remaniement des plannings, hein, qui est quand même assez complexe, d'être vigilant sur les besoins de nos usagers, hein, puisque on est beaucoup à l'association dans le respect de la vie de notre usager. On ne veut pas imposer un horaire qui ne leur conviendrait pas. Donc, ça complexifie un petit peu les choses. Il faut être vigilant dès qu'il y a des hospitalisations, dès qu'il y a des personnes qui quittent notre association pour partir en structure ou qui décèdent. Parce qu'effectivement, dès que ça crée un trou dans la tournée, c'est une perte énorme d'heures sur le mois pour la salariée. Donc, il faut être très, très vigilant sur ces horaires et sur cette modulation. Donc, c'est vrai que c'est un remaniement constant des tournées. Alors là, effectivement, bah, avec le Covid, on a eu plus de difficultés à poursuivre ces démarches d'horaires postés, hein, puisqu'on a eu un absentéisme de ce fait un peu plus important, une difficulté de recrutement et puis une perte de dossiers aussi un peu plus important, quoi. Par contre, ça nous a, en ayant mis cette équipe en place, ça nous a quand même permis de réfléchir au fait que des vrais horaires postés, ce n'était pas quelque chose de compatible, qu'il valait mieux travailler plus sur des semaines alternées entre des matinées et des soirées. On garde les week-ends en temps complet, matin et soir, et sur les vacances, les temps de vacances, on restera en temps complet. Mais je pense que Marion vous le développera peut-être un petit peu plus. Et ça nous a aussi permis de réfléchir au remplacement d'une salariée le matin qui ne pourrait pas démarrer parce qu'elle est souffrante. Et ce qui nous permet d'avoir des horaires comme ça, de dire qu'on a toujours une salariée qui du coup est avertie qu'elle pourrait être appelée si une de ses collègues ne partait pas. Ce qui enlève aussi le stress, aussi bien pour mon assistante ou moi, de se dire qui on va appeler pour faire partir le matin si une salariée ne travaille pas, et aussi pour nos salariés parce qu'elles savent qui peut être appelé, et elles savent qu'elles ne vont pas toutes être appelées à 7h le matin en disant « c'est la catastrophe, il faut que vous partiez travailler ». Et on ne leur prend jamais leur jour de repos comme ça. Donc, elles savent que quand elles sont en repos, elles peuvent être tranquilles, éteindre leur téléphone et c'est une facilité. Donc, effectivement, c'est vraiment que des points positifs à mettre ce genre de temps de travail en place. Voilà. Merci beaucoup, Madame Borin. Donc, oui, nous avons Marion Coquel avec nous du cabinet Aegis qui a accompagné donc la structure sur ces questions de prévention de l'absentéisme. Bonjour Marion.
Bonjour, Cindy, bonjour à tous. Voilà, donc Aegiste, c'est un cabinet spécialisé dans les questions d'organisation du travail et ressources humaines. Donc, vous avez accompagné en particulier la réflexion. Voilà, on avait aussi une petite diapo de présentation. Donc, vous avez, Marion, accompagné la réflexion en particulier sur l'aménagement du temps de travail d'AA des CMO. Quel regard portez-vous sur cette problématique d'organisation du temps de travail en général dans le secteur de l'aide à domicile et sur ce levier notamment du travail posté? Alors, la problématique du temps de travail, je pense que c'est le nerf de la guerre, j'ai envie de le dire comme ça, sur l'aide à domicile, avec des contraintes extrêmement fortes et complexes, parce que parfois contradictoires à gérer. Donc, avec à la fois des fortes amplitudes, puisqu'il y a des interventions, par définition, au lever jusqu'au coucher, et des temps forts, c'est-à-dire que tout le monde a à peu près envie de se lever, de manger et de se coucher sur les mêmes créneaux horaires, avec des activités le matin de toilette qui peuvent se continuer, mais l'après-midi beaucoup plus creuses, qu'il faut pouvoir combiner. Et cette contrainte de la qualité de l'intervention qui fait que la même personne passant, comme le disait Sylvia, auprès d'un usager, c'est bien sûr un facteur indispensable de qualité du travail et de lien à l'usager, mais que la qualité de vie des intervenantes veulent que, bien sûr, ne pas les faire travailler de 6h du matin à 21h est absolument indispensable. Donc, on est devant un vrai casse-tête hein, qui demande à concilier des enjeux qui sont tous aussi importants et valables et pourtant contradictoires et qui demandent de pouvoir se réguler, sachant que si ça ne suffisait pas comme équation de base, il y a tous les impondérables liés aux absents des intervenantes, alors en plein Covid, bien sûr, évidemment, c'est puissance 12, mais aussi aux changements de tournée et aux changements de planning liés aux usagers, que ce soit pour des raisons d'hospitalisation ou tout simplement de vacances ou de passage de la famille qui, du coup, lève l'intervention tel ou tel jour. Donc, on est vraiment devant une situation qui est à la fois à multiples variables et très changeant tous les jours, sachant qu'un élément indispensable à la fois de la qualité de service et de la qualité du travail, c'est de pouvoir prévoir ça à l'avance pour donner des plannings fixes quelques jours à l'avance. Donc, on est devant une situation qui est très complexe et qui demande de pouvoir s'ajuster finement. Quand on dit s'ajuster finement, c'est de pouvoir écouter la réalité du travail au plus près du terrain, les changements et les besoins quand on arrive en intervention, également les possibilités ou impossibilités des intervenantes de pouvoir s'y adapter et les possibilités ou impossibilités des bureaux de trouver des solutions adaptées à ces différents enjeux. Et c'est là où le management va être complètement en lien avec la gestion des temps de travail. Et la grande qualité de l'association avec laquelle j'ai eu le plaisir de travailler, c'est cette qualité d'écoute du management qui amène une confiance incroyable, qui fait beaucoup gagner de temps dans la gestion de ces plannings, qui fait que la solution est cherchée par le terrain, elle sollicite le bureau si elle ne le trouve pas ou pour pouvoir aménager les choses. Et la confiance fait qu'on se croit tout simplement sur le fait que on a besoin de plus de temps ou de moins de temps, qu'on peut trouver une solution ou qu'on ne peut pas trouver de solution du côté des bureaux. Et ça permet de fluidifier, à la fois en régulant de manière centrale les emplois du temps, notamment pour maintenir des conditions de travail, le respect des réglementations, mais aussi pour s'adapter au plus près du terrain. Donc, le lien entre conditions de travail et management, il est essentiel. Pour vous, d'ailleurs, c'est une condition. Hein. On ne peut pas forcément mettre en place le travail posté s'il n'y a pas déjà des équipes préétablies. Voilà. Donc, la condition de cette confiance, elle est indispensable. Et travailler avec ces équipes qui permet aux équipes, parce qu'un gros avantage du travail posté, c'est bien sûr, comme a dit Sylvie, de réduire hein, les amplitudes et de fournir des demi-journées qui permettent de concilier la vie personnelle et la vie professionnelle. Mais c'est aussi d'avoir deux regards sur un même usager qui permettent de se compléter, de prendre du recul, de diminuer l'usure professionnelle quand on est seul face à une situation qui peut provoquer un stress parce qu'elles sont difficiles à gérer de manière seule. Mais ça demande du coup à une équipe de se coordonner, de se passer les messages et sans être sur des équipes autonomes qui sont bien plus autonomes que Sylviane le dit souvent, parce que de fait, elles sont autonomes dans cette gestion de l'intervention. Elles se passent les messages, elles s'alertent s'il y a un besoin particulier du matin, au midi, au soir et ça permet de faire cet ajustement fin. Donc, la condition préalable, c'est cette confiance managériale et des équipes qui sont en coordination, en collaboration autour de leurs usagers, de manière à pouvoir se transmettre les informations et s'accorder, se remplacer au dernier moment parce que les informations passent bien. Donc, effectivement, des équipes déjà constituées et qui fonctionnent, régulées par un management de confiance.
Et en préparant donc cet entretien, vous m'évoquiez aussi le fait que, voilà, entre le travail posté à 100% et puis les solutions possibles, il peut y avoir des choses intermédiaires aussi pour poster à certains jours de la semaine l'activité. Tout à fait. Alors, tous les dirigeants et encadrants qui nous écoutent vont bien comprendre les détails techniques de ce sujet, puisqu'on a, avec le groupe de travail et notamment les intervenantes, essayé de faire des tournées qui respectent. Donc, sur un tableau Excel, on a joué avec les horaires et les tournées pour voir si c'était possible. Et le fait est que ce n'est pas possible. Le fait est que ce n'est pas possible avec la meilleure volonté du monde, avec les temps de travail assez importants, et c'est tout à l'honneur de l'association d'avoir des gros contrats horaires et de limiter les temps partiels, ce n'est pas possible de remplir des horaires postés parce qu'il n'y a pas assez, de travail l'après-midi, parce que le week-end, il n'y a pas assez d'intervenantes, parce qu'il faut bien prendre ses congés en général pendant les vacances scolaires et qu'il n'y a plus assez d'effectifs. Il y a toute une série de moments où on ne peut à la fois pas remplir les compteurs d'heures, d'une part, et d'autre part, trouver assez d'intervenantes pour avoir des horaires postés toute l'année. Donc, on est parti sur une solution intermédiaire, comme le disait Sylvia, où c'est des horaires postés matin, midi et ou midi, après-midi, plutôt sur les jours ouvrables en semaine. Et puis, on repart sur des horaires plus classiques le week-end et pendant les vacances, ce qui permet de libérer en fait des demi-journées, de libérer 2, 3, 4, 5 demi-journées en fonction des effectifs et de l'absentéisme pour les intervenantes, de les fixer de manière à ce qu'elles puissent avoir des plages horaires et qu'elles les prévoient longtemps à l'avance pour toute la vie sociale, familiale, les rendez-vous qu'elles doivent prendre, enfin organiser leur vie de manière sereine en sachant les après-midi où elles seront complètement disponibles. Donc, on est parti sur cette solution de libérer des demi-journées plutôt qu'aller à tout prix vers un travail posté complet qui est très contraignant à organiser. On ne pourrait pas dire impossible. Alors, aujourd'hui, vous poursuivez un accompagnement de la structure sur des questions plus stratégiques liées notamment à son offre de services. Quel lien faites-vous entre ces questions et tout le reste, je dirais, autour du temps de travail, du management ? Alors, effectivement, on s'est posé la question, l'association est dans le cadre d'une transition de direction puisque Marie-Yvonne quitte l'association pour un départ en retraite bien mérité à la fin du travail. Donc, l'occasion de cette transition de direction, c'était de travailler aussi sur la stratégie, c'est-à-dire l'offre de services et l'équilibre financier de l'association. Une des pistes d'action forte qui a été envisagée, c'était la diversité de ses activités avec deux axes. Le premier, c'est, et notamment en lien avec le financement CARSAT dont parlait Marie-Yvonne, de pouvoir offrir des services complémentaires de jardinage, on y pense souvent, promenade des animaux, les courses, mais aussi des activités de compagnie ou une aide administrative et informatique pour les personnes âgées dépendantes et avec les mêmes intervenantes. En fait, plutôt qu'embaucher ce qu'on appelle souvent un homme à tout faire, de manière un peu caricaturale, on a fait un sondage auprès des intervenantes, donc aide à domicile, pour connaître leur diplôme, expérience préalable et appétence à aller sur d'autres activités, de manière notamment, en lien avec les horaires postés, à pouvoir avoir une offre de services complémentaires l'après-midi, de manière à peut-être pouvoir tendre vers des horaires plus postés en diversifiant les activités. Donc, on a un lien à la fois sur avoir des services plus diversifiés, des financements plus diversifiés, de manière à consolider la gestion de l'association et aussi diversifier son offre de services avec une même intervenante auprès de l'usager, ce qui est toujours très important pour eux. Alors, une autre question pour vous, Madame Delattre. Donc, vous avez eu cet accompagnement autour de la prévention de l'absentéisme et vous avez eu d'autres accompagnements proposés notamment dans le cadre du DLA par Pas-de-Calais Actif et vous avez aussi bénéficié d'un zoomerage qui est proposé par votre OPCO Uniformation. En quoi ces aides extérieures sont une ressource pour vous ? Alors oui, ces aides, que ce soit le DLA ou le Zoomerage, c'était une volonté forte de notre association de bénéficier de ces accompagnements, parce que souvent dans nos associations, on est toujours un peu dans le courant, dans la gestion courante, un peu la tête dans le guidon, comme on dit chez nous. Et c'est vrai que le fait de pouvoir avoir un intervenant extérieur, de pouvoir se poser
pour vraiment réfléchir à toutes ces perspectives qui peuvent s'ouvrir à l'association. C'était vraiment une volonté très forte chez nous. Donc, on a eu la chance d'avoir Marion qui a pu travailler voilà, sur l'absentéisme et qui a du coup continué dans le dispositif local d'accompagnement et dans le Zoom RH avec une formation. Donc, le même interlocuteur qui connaissait très bien notre association. Donc, c'était vraiment très, très intéressant. Elle a pu travailler également énormément avec le conseil d'administration hein, qui sont composés de bénévoles. Donc, vraiment, d'anticiper et de nous accompagner dans cette transition de direction, hein, puisque moi, ça fait quand même 38 ans que je suis à l'association. Donc, il y a tout cet accompagnement au changement vis-à-vis des équipes qui était relativement important, que ce soit le conseil d'administration, les administratifs, hein, parce que on sait tous que le changement souvent fait peur. Et donc, voilà, ça nous a permis aussi de réinterroger nos fonctionnements habituels, hein, de voir, voilà, et de vraiment partir vers tous les scénarios possibles d'évolution de notre structure, de vraiment poser les choses. Voilà, donc ça permet vraiment de faire une analyse, de travailler sur les atouts de l'association, nos faiblesses. Lors de ce DLA, on a aussi consulté les instances financières, hein, que ce soit la caisse d'allocation familiale, le département. Bon, on n'a pas pu le faire en présentiel, hein, vu le Covid, mais on les a eu en visio. Aussi pour voir ben, si nos perspectives d'évolution étaient bien en corrélation avec les besoins du territoire ou voilà, qu'on ne part pas un peu dans tous les azimuts. Et donc, voilà, donc la priorité, c'était vraiment de ressolliciter ce conventionnement CARSAT hein, pour nous. Donc, ce qui a été fait, hein, puisqu'il y a le nouveau dispositif OSCAR qui va se mettre en place. Donc, on espère de nouveau être conventionné en 2022. Et puis, d'autres perspectives d'évolution, voilà, au niveau du service famille et puis après au niveau du service personnes âgées, pourquoi pas peut-être, mais là ce sera de nouveau à affiner avec le département et peut-être l'ARS de voir de coupler notre service d'aide à domicile avec un service de soins, peut-être la création d'un SPASAT si vraiment c'est possible, mais ça ce sera dans les missions du nouveau directeur hein, puisque Marion dans le Zoom RH nous a aussi aidé dans ce profil de nouveau directeur, justement, de voir un peu quelles pourraient être ces missions nouvelles. Nous avons retravaillé le projet associatif, le projet de service sur les 5 ans à venir. Donc, voilà, tout ce travail est bénéfique et j'incite fortement toutes les associations à bénéficier de ces dispositifs qui sont vraiment une aide importante et souvent on n'y pense pas, mais voilà. Surtout, alors, on est toujours contraint par des budgets un peu serrés, mais maintenant, le Zoom RH est pris en charge totalement par une formation. Donc, voilà, il faut vraiment que les associations s'emparent de ces dispositifs qui sont vraiment une aide importante. Alors, des perspectives, des projets, j'en profite pour, avant de répondre à quelques questions voilà, qui nous arrivent, hein, il y en a quelques-unes, une dernière question pour vous, Monsieur Potier. Le département envisage de donner une suite à ce programme d'action. Pouvez-vous nous préciser comment et en quoi ? Déjà, je suis ravi d'entendre le service d'aide à domicile s'exprimer de cette façon parce que on voit que concrètement, je pense comprendre que ça apporte quelque chose sur le terrain. Donc, ça, effectivement, ça donne envie au département de poursuivre cette démarche. Juste pour rappeler, sur la première phase d'accompagnement, sur l'accompagnement autour de la prévention de l'absentéisme, à RACT ou à EGIST, vous avez accompagné une quinzaine de structures. Sur l'accompagnement du CREFO à la formation responsable des secteurs, c'est une quarantaine de salariés qui ont été concernés. Sur la prévention des risques professionnels, c'est 12 services d'aide à domicile qui ont été concernés, un peu plus de 30 salariés. Donc déjà, voilà, un bilan quand même assez positif de cette première phase d'accompagnement. Nous souhaitons poursuivre cela d'abord en ne lâchant pas entre guillemets les services d'aide à domicile qui ont été accompagnés dans cette
première étape. On va revenir vers chacune des structures pour faire un peu le point et les perspectives. Donc ça, c'est une chose importante, c'est de ne pas laisser, voilà, on ne passe pas du premier plan au deuxième plan de façon un peu radicale. Et puis, c'est relancer, là, on est en train d'y travailler sérieusement, autour des nouvelles actions à venir pour les trois années 2022-2024. Donc, on travaille ça en lien avec les financements de la CNSA. Et là, on vient de finaliser cette convention avec la CNSA avec de nouveaux financements qui vont permettre… alors, l'idée, c'est à la fois de poursuivre sur les thématiques qui ont été évoquées, hein, prévention de l'absentéisme. Il y aura aussi encore un module sur la formation responsable de secteur, mais un peu rénové aussi autour des nouveaux modes d'organisation, parce que ça aussi, c'est important, l'évolution du métier de responsable de secteur. Hein. On souhaite aussi poursuivre la démarche autour de la prévention des risques professionnels, continuer la formation des chargés de prévention, mais aussi de pouvoir mettre en place un réseau d'animateurs de prévention qui est une vraie dynamique dans le département et que ces salariés qui s'engagent dans ces formations ne restent pas isolés dans leur service. Donc ça, je dirais que c'est un peu la reconduction des actions du premier plan. Et puis, on réfléchit bien sûr sur d'autres modules d'accompagnement. Donc là, a été lancé en fin d'année 2021 un appel à projet autour de l'accompagnement d'un prestataire autour de la mise en place des équipes autonomes. Donc, il y a 5 services d'aide à domicile qui seront spécifiquement accompagnés sur ce sujet. On souhaite réfléchir aussi sur des actions autour des questions de mobilité. C'est aussi quelque chose d'important sur des questions d'accompagnement des nouveaux salariés qui intègrent les structures. On pourrait financer au service d'aide à domicile justement des temps qui vont permettre aux salariés déjà en place d'être tuteurs de nouveaux salariés. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a aussi un événement pour nous important au département. Nous avons été retenus, comme 9 autres départements, suite à l'appel à projet autour du projet de plateforme des métiers de l'autonomie. Donc, l'ensemble des actions du second plan vont s'inscrire dans cette plateforme des métiers de l'autonomie, c'est-à-dire que on va travailler globalement aussi sur l'attractivité des métiers du secteur d'aide à domicile. Donc, on va étendre effectivement le plan d'action à l'attractivité des métiers. Alors, tout ça, ça peut paraître des mots, mais quand on entend les actions concrètes qui se mènent sur le terrain, moi, je crois vraiment dans la dynamique hein, qui a été lancée par le département et avec les partenaires qui nous ont bien aidés dans cette démarche. Et voilà, on ne souhaite pas du tout abandonner, vous l'avez bien compris. De nouveaux financements vont être injectés. Alors, je ne peux pas être beaucoup plus précis aujourd'hui puisque le second plan est en phase de construction. Mais dans les mois à venir, on va pouvoir communiquer davantage sur ces nouveaux modes des formes, d'accompagnement. En tout cas, merci de ces indications, de ces précisions. Ça donne vraiment des perspectives. Quelques merci. Questions. Je passe la parole à Perrine qui a relevé pour nous les principales questions. Oui, d'abord une remarque que je partage parce que c'est intéressant aussi quand on dit que effectivement les démarches semblent particulièrement intéressantes et voilà donc il y avait un remerciement en tout cas qui vous était adressé Dominique Potier en tout cas au département plus largement pour des démarches qui et je cite là ont fait bouger
les lignes dans les SAD. Deux questions. Pour vous, est-ce que ces démarches ont abouti à des documents à destination des SAD? Et puis, est-ce que vous avez connaissance d'autres types de démarches semblables au sein des autres départements? Alors, sur les autres départements, je vais dire que je n'ai pas vraiment de vision d'ensemble, puisqu'on est bien concentré déjà sur beaucoup de sujets qui nous préoccupent dans le Pas-de-Calais. Alors, une démarche aussi globale, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a effectivement des initiatives intéressantes qui sont prises dans... J'ai en tête quelques départements, la région sud-ouest notamment. Après, moi je pense que ce qui fait l'originalité quand même du département du Pas-de-Calais, c'est qu'on a une démarche un peu globale, hein, avec des acteurs multiples, mais le département se veut quand même coordonnateur de la démarche, facilitateur, et on fait un lien fort, je l'ai dit, avec nos contrats d'objectifs et de moyens. Donc oui, on va se nourrir. Là, on est en train, j'ai des collègues qui travaillent un peu, comme on dit, sur le benchmark. On va se nourrir aussi de ce qui se fait dans d'autres départements, mais peut-être pas ou rarement de façon aussi globale. Moi, je crois qu'on répond là aussi à une des commandes, des recommandations qui a été faite à travers le rapport El Khomri, qui est que le département doit... prendre des initiatives dans ce domaine et coordonner les différents acteurs, que ce soit, je pense aussi, au lien fort que nous avons avec la CARSAT autour de la prévention des risques professionnels. Après, sur les documents, je crois savoir que la RACT, vous avez, à travers ces 15 accompagnements, écrit, on va dire, une synthèse un peu de ce qui a pu fonctionner. Donc, après, je ne sais plus à quel. J'ai pas en tête s'il est possible de communiquer plus largement là-dessus. Si, tout à fait, il est possible de la diffuser. Alors, diffuser, effectivement. Elle n'est pas mise en forme pour une publication. Mais on pourra y réfléchir. Large, mais pourquoi pas, hein. Ça peut être une idée. Merci. Merci beaucoup. Pardon, je suis obligée de tenir un peu le timing déjà serré. Et puis, peut-être pour la ADCMO, alors, il y a beaucoup de questions, donc on ne pourra pas toutes les reprendre. Et par ailleurs, je vous renvoie, si vous êtes inscrit, à l'atelier de cet après-midi autour de l'organisation du temps de travail, parce qu'il y a beaucoup de questions plus techniques. Peut-être vous poser une question qui est revenue sur comment les salariés et les représentants du personnel sont associés à ces démarches. Et une autre question sur, finalement, est-ce que cette réflexion et ces actions sur l'organisation du temps de travail, est-ce que ça amène finalement une précarisation? Vous avez parlé d'amélioration de la qualité de vie au travail, mais comment est-ce qu'on fait aussi le balancier avec l'emploi et la précarité, notamment sur des contrats peut-être un peu plus petits en termes d'heures? Oui, alors lors de nos réunions avec Marion, c'est vrai que les instances du personnel ont été interrogées aussi, hein, et donc il y a des salariés qui ont participé aussi à tous les travaux de Marion, hein, sur les conditions de travail. Et après, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, la précarisation peut-être, mais c'est malheureusement une réalité si on veut vraiment arriver à donner un temps de travail important aux salariés. Il faut qu'on arrive à trouver d'autres sources de financement, faire vraiment une diversification de l'offre. Et si on arrive malheureusement chez nous à des contrats à 28 heures, c'est pas par gaieté de cœur, hein, puisque on est plus nous au démarrage, hein, sur des 32. Et en sachant que nos services famille chez nous, la plupart sont à 35 déjà, donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose à réfléchir, et avec les salariés, hein, puisque nous, ils sont consultés très 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 régulièrement par rapport à tout ça. Donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais
c'est très, très compliqué. Peut-être que cet après-midi, lors de l'atelier sur l'organisation du temps de travail, on aura le temps de vraiment répondre à des questions plus ciblées. Il y aura un temps spécifique, notamment sur cette question du travail posté. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Cindy. Je pense qu'on arrête là les questions. Hein, parce qu'il y en a d'autres, hein, mais je te redonne la main. Alors, avant de conclure donc ce premier webinaire, concernant les causes à l'origine du phénomène d'absentéisme, quatre facteurs récurrents ont été mis en évidence dans le travail de capitalisation à partir des 15 accompagnements des SAD accompagnés dans le projet du Pas-de-Calais. Dans les principaux facteurs, on y retrouve quatre éléments que vous connaissez, hein, on les a simplement synthétisés. D'abord, ce déséquilibre qui perdure entre les contraintes et les ressources du travail. Alors, des contraintes, on en a cité quelques-unes, hein, la question du temps, la contrainte temporelle, mais il y a aussi les contraintes physiques, les contraintes psychiques, les contraintes liées à un certain nombre d'aléas, notamment les remplacements, et cette question qu'on a évoquée aussi de conciliation difficile entre le travail et le hors-travail. Et puis, de l'autre côté, un certain nombre de ressources en termes de reconnaissance, en termes d'autonomie, en termes de soutien aussi des collègues ou de la hiérarchie, qui sont réduites, très faibles. Et finalement, voilà, ce déséquilibre, on voit bien dans les structures, quand on questionne cette question de l'absentéisme, que c'est un déséquilibre qui est à l'origine d'une fatigue chronique, hein, qui s'installe, et d'une usure des salariés. Et cette usure, finalement, elle amène une deuxième cause, hein, de cet absentéisme, parce que cette usure qui se traduit en absence, elle alimente un cercle vicieux finalement de l'absentéisme où les salariés présents d'aujourd'hui, le travail des salariés présents est alourdi par les absences et les salariés présents s'absentent à leur tour. Un phénomène qui atteint aussi l'encadrement et les personnels administratifs, avec une charge de travail liée notamment à la gestion de ces absences, à la gestion des remplacements, qui est lourde et qui les éloigne aussi des relations de terrain, des relations avec les professionnels, qui les aspirent finalement vers la gestion des urgences. Et qui alimente encore ce phénomène du cercle vicieux où finalement le soutien du terrain se réduit. Un autre élément dans l'analyse des causes de l'absentéisme qui est apparu autour des évolutions technologiques. C'est un secteur qui a été marqué par des évolutions liées à la mise en place de la télégestion, à la mise en place de l'utilisation notamment du smartphone et de toutes les applications qui vont avec. Et alors, même si toutes ces technologies sont des aides au travail, hein, personne souhaiterait revenir en arrière. On voit bien que certaines dérives ont pu s'installer dans les relations de travail notamment, et ces nouvelles technologies peuvent introduire aussi des dégradations dans les relations. Donc quatre causes principales qui ont été mises en évidence et quatre pistes en relation avec ces causes. Hein, alors on a cité là ce matin la question de l'organisation du temps de travail. Hein, c'est complexe, mais c'est vrai que ça vaut le coup de rechercher comment on peut trouver de meilleurs compromis qui répondent aux enjeux des bénéficiaires et puis aux attentes des salariés. Mais il y a d'autres pistes, hein, notamment trois autres pistes autour des usages des technologies de l'information et des communications. C'est vrai que autour de l'introduction de ces outils, il y a aussi pas seulement l'outillage, il y a aussi la manière dont on les utilise et dont on co-construit finalement des pratiques qui vont à la fois dans le sens de la qualité de service et de la qualité de vie au travail, et notamment de la possibilité de se déconnecter du travail. Donc voilà, au-delà du temps de travail, une deuxième piste autour d'une réflexion sur ces usages. Une troisième piste qu'on abordera
probablement juste après dans le second webinaire, autour de la manière dont on peut retrouver des fonctionnements collectifs basés sur à la fois de l'autonomie, mais aussi de la régulation, de l'appui, du soutien entre collègues et avec la hiérarchie. Et enfin, une autre piste autour de la construction des parcours professionnels, vous l'avez évoqué aussi, hein, Madame Delattre. Alors, malheureusement, il est déjà 10h02 et nous n'aurons pas le temps de développer toutes ces pistes, hein, dans ce webinaire. Nous, ce que nous vous pouvons vous, voilà, en conclusion vous dire, c'est que toutes ces pistes, même si elles sont complexes, elles sont aussi l'occasion de développer des nouvelles pratiques, et elles sont aussi une opportunité pour introduire des démarches qualité de vie au travail. Et on l'a testé dans certaines structures. D'ailleurs, alors dans le lien, en principe, vous devez retrouver le lien vers une petite vidéo qui vous amènera sur des témoignages de structures qu'on a accompagnées à la RACT sur la mise en place de démarches qualité de vie au travail à l'occasion de projets de transformation. Parce que ces projets de transformation, c'est aussi l'occasion de... Voilà, d'une mise en discussion, de repenser les relations de travail, repenser l'organisation du travail et d'introduire des critères autour de la qualité de vie au travail. Donc, une opportunité. Et ce qu'on voulait vous signifier aussi en conclusion de ce webinaire, c'est que voilà, le soutien au secteur reste un enjeu très fort pour la RACT, pour la DRETS et pour l'ensemble des préventeurs, hein, et sur toutes les thématiques que nous avons évoquées ce matin et voilà, que nous n'avons pas le temps de creuser. Nous restons à votre écoute, hein, évidemment. Hein, nous restons à l'écoute des structures, des représentants du personnel, des acteurs relais, des institutionnels, pour continuer à construire des expérimentations sur toutes ces thématiques. Ce webinaire est maintenant terminé. Un petit appel pour le prochain. Alors, pour ceux qui restent avec nous, nous vous invitons à vous déconnecter et à vous reconnecter sur le lien que vous avez reçu pour traiter la question de l'innovation managériale et organisationnelle avec d'autres témoins. Un grand merci à nos témoins de ce webinaire et aussi à l'ensemble des partenaires de cette journée consacrée à l'aide à domicile.